Et c'est parti pour une nouvelle session vidéo sur Chili Poker. En duo, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mizar himself. Bonjour Bonjour Mizar. Nicolas, bonjour tout le monde. Alors la forme, tu vas nous faire une petite session en NL400 aujourd'hui? Oui, et puis alors surtout je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, à savoir m'asseoir à une table sans notes, sans tracker et face à des adversaires dont j'ignore tout. Voilà, donc une session presque à l'aveugle, en blind mode. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas quand je suis dans cette situation. J'ai tendance au début à essayer bien entendu de prendre le maximum d'infos sur mes adversaires. Là, par exemple, c'est une situation de 3 bêtes ici, mais comme j'ignore beaucoup de choses encore de mes adversaires, je vais être beaucoup plus classique, plus prudent. Tu vas aborder une ligne un petit peu plus prudente pour capter l'information en essayant de faire dérouler les coups un peu plus lent. En fait, tu vas tester un petit peu tes adversaires et pour ajuster finalement. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je te posais la question, est-ce que tu as un plan de jeu particulier, un style particulier que tu entends en fait adopter sur cette session-là, sur cette table? Et tu m'avais répondu non, aucun. Voilà, je t'avais répondu en gros que mon style c'est de ne pas en avoir. En fait, le poker est un jeu d'adaptation. Il peut m'arriver d'être très très loose agressif, ou au contraire de jouer comme une barre d'acier. C'est vraiment en fonction de Donc, plusieurs critères. t'as un style caméléon en fait. Oui, il s'agit en fait de s'adapter à ses adversaires d'une part, et de s'adapter également à la façon dont ils vous perçoivent. Il y a également les stacks. Alors là, on a un premier coup intéressant. J'ai toujours pas beaucoup d'informations sur Christianou. Je vais quand même payer. Ici. Au cas où notre adversaire aurait attaqué avec une paire Avec. inférieure ou une main Oui. comme As-10, As-valet. Alors la question que je me pose ici, c'est est-ce que je re.